Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, Thomas va te présenter trois livres pour progresser en photographie. J'espère que tu es prêt, c'est parti, on y va. Je parle beaucoup des livres photographiques sur cette chaîne parce que je pense que c'est une vraie façon de progresser. J'avais d'ailleurs consacré une de mes toutes premières vidéos au sujet. Si c'est quelque chose qui vous plaît et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour moi, c'est le contenu qui est à peu près le plus simple à faire en fait. Alors, c'est pas que je veux faire que ce qui est simple, mais ça me dérange pas d'en faire plus. C'est plus simple à faire qu'un contenu très fouillé sur un photographe comme il y en aura bientôt. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois livres qui vont vous aider à progresser en photographie. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. C'est un petit bouquin qui coûte 16 euros de mémoire, qui s'appelle « Pourquoi ceci n'est pas une photo ratée » de Jackie Higgins. Sous-titré « La photographie contemporaine expliquée ». Alors c'est un petit format hein, qui est comment, qui se présente comme ça. Vous avez toujours une photographie et son analyse, sans grande surprise. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà parlé du concept de la caverne. Je vous mets le lien vers la fiche. Et bien ce livre, c'est une très bonne façon d'en sortir. Il vous permettra de passer outre les a priori que vous pouvez avoir sur des images, a priori qui sont souvent techniques, pour les découvrir et les apprécier à leur juste valeur. Parce que ça fait longtemps que la photographie s'est plus juste présentée avec précision ce qui se retrouve face au photographe. Autrement dit, le bouquin, il vous apprend à aimer les photographies pour ce qu'elles sont et à sortir du « oulala, c'est pas piqué, c'est nul ». Je caricature, mais vous voyez globalement l'idée. Des photos floues aux photographies de photographie, de Richard Prince, que vous découvrirez dans l'ouvrage, l'absence de sophistication technique s'est souvent vue comme quelque chose de raté dans les images, et c'est pas du tout le cas. Dans ce bouquin, l'autrice prend 100 grandes photographies de l'histoire et vous explique d'où elles viennent, par qui elles ont été faites, pourquoi elles sont intéressantes. Elle fait un peu toutes ces strates d'analyse, c'est ça, de l'image, de comment elle se place dans l'histoire, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai lu ça plus tôt au début de quand j'ai commencé à lire des ouvrages, et ça aide vraiment à s'ouvrir l'esprit à autre chose que Flickr et 500px. Désolé de vous casser encore les pieds avec ça. En plus, une fois que vous l'aurez lu, vous pourrez jouer à un de mes jeux préférés, qui est de prendre une image du livre, la poster sur un groupe Facebook en demandant une critique, et vous régaler de toutes les remarques sur la technique qu'on vous fera avant de révéler d'un coup, d'un seul, que finalement c'est un grand photographe reconnu, et que tous les gens qui vous ont répondu sont des billes. L'autre livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Composition et couleurs en photographie de Harald Mandt, c'est en allemand, ça devrait se dire Harald, qui coûte 28 euros de tête. À la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout ce que fait Erol. J'ai l'impression qu'ils font des manuels sur absolument tout et n'importe quoi. Apprendre à utiliser mon Canon 80D, apprendre à utiliser tel truc, comment photographier les sushis, comment photographier la bouffe, comment photographier les morts, comment photographier... Enfin, j'ai l'impression qu'ils font un peu que ça. Et au milieu de tout ce fatras, je suis tombé sur ce bouquin et je l'ai adoré. Si vous ne devez lire qu'un seul et unique livre sur la composition, c'est celui-ci. C'est le plus complet, le plus pédagogique et le mieux construit que j'ai vu, et tout ce que vous avez besoin de savoir sur la composition en photographie se trouve à l'intérieur. On vous y parle des points, des textures, des lignes, des couleurs, de tout ce qui compose une image. C'est un livre que j'ai relu beaucoup, beaucoup de fois, je le relisais tous les ans à une époque. Maintenant j'ai un petit peu arrêté parce que je le connais par cœur, mais il est vraiment très bien fait. L'ouvrage est très bien illustré, et il n'est pas illustré avec des photos de grands maîtres. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est pas un tel fait ceci, faites cela, règle des tiers, faites la règle des tiers, machin fait ça, faites ça. C'est illustré d'images un peu plutôt génériques, juste pour vous montrer les mécanismes de composition. Vous avez par exemple des planches comme ça qui vous montrent les couleurs complémentaires et comment les utiliser dans votre photographie, ou des images qui vous montrent comment utiliser les lignes dans vos photos aussi, ou dernier exemple, comment composer une image au format portrait. Donc celui-là, c'est vraiment la base de la base sur la composition, et je pense que ça fait partie des must-have à avoir dans sa bibliothèque. Donc comme pour tous les livres dont je vous parle, je vais mettre un lien dans la description. Le prochain livre dont je voulais vous parler, c'est Influence, un jeu photographique, de Jean-Christophe Bécher. Donc ce livre, il a un intérêt qui est énorme, c'est qu'il vous libère de la peur d'être influencé. En fait, tout le principe du bouquin, c'est de montrer comment on digère les images que l'on voit et comment elles rentrent dans notre pratique, sans pour autant devenir des copistes absolus. Il a été écrit par Jean-Christophe Bécher, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Il a écrit notamment La petite philosophie pratique de la photographie, que je vous avais conseillé dans une des premières vidéos. C'est aussi quelqu'un qui écrit pour le magazine Fisheye. C'est quelqu'un de très intéressant, et il a aussi des travaux photographiques qui sont plutôt cool. Donc franchement, l'auteur est top, vous pouvez y aller les yeux fermés. Chaque fiche est toujours présentée de la même façon. Vous avez la biographie du photographe en question, une analyse de son style, des photographies de Jean-Christophe Bécher où ce style se retrouve, et enfin des conseils de lecture. C'est un ouvrage qui est très intelligemment construit, j'ai trouvé ça brillant de faire ça comme ça, et assez libérateur aussi. Le premier livre dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous apprenez à passer outre un peu la critique bête et méchante technique des images et ne plus considérer des images ratées techniquement comme étant ratées tout court. Et là, c'est aussi très intéressant pour vos pratiques parce que ça vous permet justement de plus avoir cette peur d'être influencé tout le temps, de se dire « Ah non, non, moi je lis pas trop parce que je vais faire mon truc dans mon coin et j'ai pas envie de refaire ce qu'ont fait les autres. » Donc voilà. Là, ça vous montre que l'auteur, lui, il a lu plein de trucs, il les a digérés et il a fait sa photographie et qu'on retrouve un petit peu au fil de ces images ces choses-là, mais que pour autant, ça dénature pas son propos. C'est très intéressant
à lire pour votre propre pratique. Bien sûr, vous pourriez tenter de réappliquer les recettes que vous trouvez dans le livre. Par exemple, quand il analyse le style de Cartier-Bresson, vous prenez l'analyse, vous refaites pareil. Mais c'est pas vraiment comme ça que je trouve qu'est son intérêt. Son intérêt, c'est vraiment de comprendre ce mécanisme de comment on intègre les photographies qu'on voit et comment ça se trouve dans votre pratique. C'est un exercice que vous pouvez faire vous aussi sur vos images. Voir comment vous avez été influencé, comment vous avez un peu remis et remélangé ce que vous avez vu dans votre photographie. Donc ça ressemble à ça, comme je vous disais, il y a toujours une image, la description et la fiche de l'auteur. C'est édité par Lamartinière, qui est un très bon auteur, j'aime beaucoup ce qu'ils font, et la qualité du papier est aussi top. C'est vraiment un bon format que je prends plaisir à lire et à consulter. Je sais que le titre disait 3 livres pour progresser en photographie, mais j'avais envie d'un petit bonus et de vous gâter un petit peu plus. Du coup, je vous conseille aussi, si vous parlez anglais, cette série de bouquins qui a été faite par Aperture, qui est un éditeur américain, et aussi une galerie, je crois. Donc là, c'est en anglais, donc faut parler anglais pour les lire, évidemment, sinon vous pouvez les lire, mais vous ne comprendrez pas ce qu'il y a dedans, c'est vachement moins intéressant du coup. Mais en fait, ils ont fait des masterclass, donc c'est des cours avec un photographe, qu'ils ont retranscrit dans des bouquins. Donc il y en a 4, il y en a... Donc celui-là, c'est sur le paysage, les intérieurs et les nus. Il y en a un autre sur la photo de rue, je regarde. Il y en a aussi sur la composition et le portrait. Donc ils sont vraiment, vraiment très bien, parce que, par exemple, celui-ci a été fait avec Todd Ido, et clairement, enfin, c'est comme si Todd Ido vous donnait un cours de photographie. Ça coûte 20 balles, et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'être lu. Et pour terminer, le petit dernier pour la route, qui est un livre d'Eric Kessel qui s'appelle, il est là, il est imprimé à l'envers, c'est pour ça que je me gourre, qui s'appelle « Parfaites imperfections, comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté ». Donc j'ai écrit un article complet sur ce livre, je vous mets le lien dans la description, je vous invite vraiment à l'acheter, il est assez libérateur aussi, et il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 10 euros, un truc comme ça. C'est Faïdon qui l'a fait, et c'est assez économique ce qu'ils font en général. Si par exemple vous avez peur de l'échec ou de la nullité, bah il est un peu libérateur sur ça, parce que il vous raconte plein d'histoires de gens qui se sont plantés et qui finalement s'en sont sortis, ou il vous montre plein d'exemples de photographies ratées qui finalement sont marrantes, plutôt cool, et c'est pas si grave que ça de se planter. L'effet qu'il a sur l'angoisse qu'on a de rater les choses, je trouve ça plutôt intéressant, et encore une fois, c'est une lecture que je vous conseille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, si vous aimez les livres photos, si vous avez besoin de conseils de lecture, etc., ou s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez progresser, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous dis, parler de livres photos, ça me pose aucun problème, je peux faire ça toute la journée. Donc, si vous avez besoin d'un bouquin pour progresser sur tel ou tel domaine, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou à me suggérer des idées pour une prochaine vidéo sur ce dont vous auriez besoin, justement. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. La chaîne est toujours à ses débuts et votre soutien est très important. Yo, c'est de nouveau Chris. Alors tu trouveras juste en dessous, dans la description, un lien que Thomas va te laisser vers son livre gratuit qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photographique ». Je te conseille d'aller lire pour deux bonnes raisons. 1. Il est gratuit. Et 2. Ça te sera super utile. Bref, c'était Chris et Thomas et nous on te dit à bientôt. Moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.